journée choup-choup, comment allez-vous? Moi très bien, je suis contente, c'est mercredi, la moitié de la semaine, tout ça, tout ça. En plus, le soleil est un petit peu revenu, un petit peu, donc c'est cool. Et pour aujourd'hui, on ouvre du rupture turbo. Alors, en booster comme ça et en booster sous blister. Oui, alors, c'est pas vraiment un effet de style à la base, en fait, hein, c'est simplement qu'à un moment avec Cox, on s'est acheté 4 boosters, on n'en a ouvert que 2 dans une display précise, un libraire. Et à un moment, on en a acheté pareil, 4 sous blister, on n'en a ouvert que 2. Donc au final, je cumule les deux. Et bah ça fait 4 boosters, voilà. 2 plus 2 quoi. Et du coup on va voir bah quand même, hein, profitons-en, n'importe quoi. Profitons de ce petit hasard pour voir qui est le plus chanceux entre les sous-blisters et les displays de marchands de journaux. Voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Sur 2 boosters de chaque, on va pas aller bien loin, mais ça fait un petit jeu rigolo. Donc on a un Léviator dans chaque partie. Ouh là là là, c'est tendu. Alors là c'est blister. Attendez, je vais le mettre comme ça pour pas oublier. Et là c'est display normal. Pour nous porter chance dans ce challenge incroyablement suspenseux, nous avons Poké Tuto et la récré, deux garçons qui ont souvent du bol. Donc j'espère que ça sera pour moi aussi. Voilà. Passez-moi un petit peu les mecs, hein. Soyez pas rats. Donc on commence par lequel? Plouf, plouf, une allumette en feu, pif, paf, pouf. C'est pas lui, c'est lui. C'était le jeu. Voilà. C'était ça qu'on faisait en primaire, nous, pour savoir qui commençait dans les jeux. D'ailleurs, je me suis rappelé hier des chansons qu'on chantait en primaire avec les jeux, vous savez, où on tape dans les mains, là, c'était drôle. Alors, qu'est-ce que je peux espérer dans Rupture Turbo? Bah, les foulards qui me manquent, déjà, ce serait bien. Et les ex qui me manquent aussi. Voilà, en gros, hein. 1, 2, 3, et je fais pas le 1, 2, au cas où il y a une foulard, on sait jamais, parce que les foulards, on les sent. On commence avec Karmash qui est magnifique, ma chérie. Regarde-moi ces couleurs, c'est beau. Célébration nocturne. Ah bah ça, sans plaisanter, elle est belle aussi. Hein. C'est une très belle carte. Troisième œil du kinésiste. C'est peut-être parce qu'il a 3 Pokéballs qu'il a 3 yeux. Dans ce cas-là, si on rajoute une quatrième, peut-être un quatrième œil qui pop en même temps. On ne sait pas. Un petit Gwenton. Une Lixie trop kawaii. Trop choupette. D'ailleurs, j'ai des dizaines de cartes de rupture turbo en commune, peu commune. Si vous en voulez, dites-le, hein. Vous m'envoyez une enveloppe timbrée, je vous donne ça. Moi, ça m'arrange, ça me débarrasse. Bon, après, de toute façon, je peux toujours les revendre à un magasin d'occasion, etc. Mais enfin, je préfère que ça vous profite à vous, si ça vous fait plaisir. Donc, dites-moi, voilà, si ça vous... C'était la petite annonce du premier booster. Chamallow qui se la pète grave. Un Zabibron qui est trop mignon. Un petit Staricky dans la flotte. Je commence à avoir envie d'aller me baigner, là. Avec le temps qu'il fait, ça commence un petit peu. Hein. En reverse, toujours pas... Vous savez que je pioche plus de turbo. C'est genre la carte, les cartes ne m'aiment plus, les turbos me fuient. Depuis Impulsion Turbo, c'est une galère sans nom. Hein. Nous avons une commune et c'est Brocélome, que je crois que j'ai déjà en reverse malheureusement, mais qui reste très mignonne. De toute façon, Brocélome, je l'aime bien. Et en rare, au moins il peut pas... Ah si, il y a Rwagada dans cette série, oh purée. Il paraît que les navires, c'est ça, hein, oui, qui s'aventurent dans les eaux peuplées de Cravarec ne reviennent jamais de leur périple. C'est un Cravarec, oui! Eh ben, une holo pour le premier booster, le booster de Display, c'est pas mal. Pas mal du tout. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Hop. Hop. Oui, j'ai oublié mes pochettes. En fait, elles sont pas très loin, mes pochettes. Hein. Elles sont sur un petit tabouret. Mais bon, voilà, la flemme. Donc, en tout cas, l'Éviator, bien, bien joué. Nous avons un petit point du côté des boosters de display. On sent la pression monter chez les blisters. Hein. Là, 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 le camp blister, il est en train de faire... Ah mince, est-ce qu'on a bien joué notre coup? Est-ce qu'on ne devrait pas changer de booster? Ah, c'est trop tard! C'est trop tard! Le match est lancé! Hop! Un Lacmessigne, ça c'est un beau Pokémon. Moi il me fait penser, alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont regardé les Tudors, mais il y a un moment où le roi il bouffe un signe en métaphore du fait qu'il bouffe sa femme qui est morte. Enfin, c'est assez compliqué. Et ça me fait penser à ça. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'était la petite parenthèse. Un Cerfrousse, mais sympa. Il est sympa. Il fait la tronche aussi. Hein. On sent le petit cerf snob. Ça doit être un cousin chamallow. Flagados qui est magnifique. C'est balèze quand même parce qu'il le regarde tout gentil alors que lui il le regarde en mode méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une métaphore aussi de la gentillesse. Enfin, vous voyez, genre tendre l'autre joue quand quelqu'un vous fait du mal. J'arrête avec mes métaphores, j'ai compris! Fluvetin avec ses petits chaussons de danse. Ma petite Lixie d'amour qui est dans chaque booster, décidément. Monorpal, la carte que tout le monde aime. Hein. Nous, d'accord, elle est belle. D'accord, elle est magnifique. Je suis d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Pandespiel, gouzi, gouzi, gouzi! Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas pu le faire. Ça me manquait, ça me manquait. Ensuite, un petit Zébibron qui est là à chaque fois aussi. En reverse, ben, oh, j'espère que c'est pas la même. Ah non, c'est mon Miamiasmou! Ah, c'est un bon booster! Manquait plus que mon professeur Platane d'amour et c'était le top. Et en rare,
Les motifs en forme d'yeux à l'intérieur de ses oreilles émettent une force psychique tellement puissante qu'il est contraint de les garder ouverts. Les motifs en forme d'yeux... Mais en même temps, c'est dans ses oreilles, donc c'est pas très gênant, si. Parce qu'il est contraint de les garder ouverts, c'est les yeux. Mais c'est des motifs, en fait. Elle est pas française, cette phrase, en fait, en y repensant, hein. Analyse. Allez-y, faites une pause, regardez, lisez ça, et dites-moi. J'ai l'impression qu'il y a un problème de sujet. Et c'est Misty Griggs, bien sûr. On va mettre mon miamiasmo, hein. Voilà. Bon, mais c'est une jolie rare, mais... Ah non, je peux pas... Je mettrai miamiasmo après, pour le récap. Parce que là, il faut essayer de faire un truc un peu près sérieux, hein. On a un battle officiel, là, quand même, hein. Eh, oh, oh, oh. Bon. Deuxième point. Donc là, là, pour le moment, ça pue pour le blister, hein. Deuxième booster de display. Je sais même plus pour vous dire si on les a pris chez le même marchand de journaux, si c'était deux displays différentes. Je n'ai aucun souvenir. Simularbre. C'est-à-dire que c'est dans mon armoire depuis 3 semaines, quoi. Simularbre, donc, qui est très sympathique, très joyeux, braille un petit peu le côté tendre l'autre joue, hein. Il est tout joyeux, tout content, alors que les autres font la tronche à côté. C'est sympa, c'est bien. Tierno avec son t-shirt de glace, je trouve pas approprié. Bon, je suis désolée, il devrait avoir un t-shirt un peu plus prestige que ça. Là, ça fait genre, je suis gros, je mange des glaces. Non, mais c'est vrai. C'est pas... Vous voyez, il pourrait avoir un Pokémon genre un Dracaufeu, un Dracolos, à la limite, s'ils veulent un truc un peu potelé, ils foutent un sort bébé, quoi. Non, mais c'est pas... Célébration nocturne. Bref, c'était mon coup de gueule. Grenouille qui fait pipi dans l'eau. C'est là que je me rends compte que, en fait, cette série, je l'aime pas trop, mais j'ai quand même pas mal de délire dessus, hein. C'est mine de rien. Mon petit coraillon à ma carte préférée. Oh, elle est trop mignonne, cette carte. Ce porifique qui est en train d'essayer de draguer Fragile Lady. Qu'on aura peut-être en rare, hein, du coup, ça se trouve. Chlorobule qui est dans sa petite pampa, dans sa petite campagne. C'est sympa comme tout. J'aime bien son jardin, j'aime bien voir son jardin. Enfin, déjà, j'ai une belle vue, on va pas trop demander, hein. Un Krixik qui se prend pour Jean de Fleurette. Oh, dites-moi, vous avez vu Jean de Fleurette ou pas depuis le temps que j'en parle? Il faut le voir, ce film, hein. J'ai réussi à le faire voir à Sexton et à sa femme, ils ont bien aimé. Bon, j'ai un petit peu insisté, mais ils ont bien aimé quand même. Faut regarder Jean de Fleurette, il faut. Oui! Ah, attends, parce que je... Il faut que ce soit une que j'ai pas maintenant. Oh, je l'ai déjà, je sais plus. Ah, je sais plus. Je l'ai ou je l'ai pas? Ah, je sais plus. Ah, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Mince! Bon, c'est quand même une turbo, hein, c'est pas mal, hein. Ils sont bien, eux, hein, ils sont bien. Et derrière, on peut rêver, et non. Parce que, non, mais David, il a eu une foulard derrière, alors moi, je pourrais rêver aussi. S'il s'énerve, Camérupt, et blablabla, c'est Camérupt. Bon. Eh ben, ma foi, une turbo, une holo, Mega Cisaiox, alors, c'est mon illustration préférée. Donc, on peut rêver. On peut rêver, mais en tout cas, les porte-bonheur, vous avez bien bossé. Alors, bon, manifestement, vous préférez les boosters de display. Je donne un avis comme un autre, hein, mais bon, normalement les blisters c'est pas mal, quoi. Je les ouvre bien, j'ai bien ouvert celui-là. 1, 2, 3. On commence avec un Fermite. Oui, c'est Fermite, quoi. Ça fait pas rêver, hein. Un Solurdo, coucou Roro. Dernière chance, hein, pour les blisters. Le stress est là, hein. À Flammanoir. À la limite, sur Tierno, voilà, il pourrait mettre à Flammanoir. C'est prestige, mais pas trop, si vous voulez. Là, il est badass, mais ça reste quand même un... Tamanoir, voilà, c'est Tamanoir, le nom de la bestiole à la base. Ah, nouveau banc d'espiègle, Gouzi. Il est trop mignon, je l'aime bien. Même s'il y a toujours cette purée de feuilles, là, qui... Ah, ça m'énerve. Zébibron, on l'a eu dans chaque booster. Si vous voulez du Zébibron, n'hésitez pas. Hein, voilà. Starry, je veux toujours me baigner, ça n'a pas changé. Psystiglig est complètement défoncé, il n'y a pas de mal. Enfin, si, un petit peu quand même. Un grain dur. En reverse, nous avons une peu commune, on évolue. C'est Simularbre. Alors, verdict. Est-ce que les blisters vont remonter la pente? Non. Il aspire les déchets et les intègre à son corps pour produire des gaz et des fluides toxiques. Je dirais Miasmax. Pas mal. Bah, ils ont quand même remonté un peu le level, hein. Mais les displays ont gagné. La display a gagné. Une holo. En fait, ça fait une holo partout, mais il y a eu une turbo de l'autre côté, quoi. En tout cas, le psy s'en sort pas mal. On sent que le blister aime bien les Pokémon psy. Il y a peut-être un message là-dedans, hein, une vision à faire pour pitcher quelque chose d'intéressant, je ne sais pas. En tout cas, j'ai déjà tout, malheureusement, donc bon, bah voilà, tout est à l'échange. Les cartes communes, peu communes, je les donne, hein, je répète, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, parce que bah, y a un moment où forcément ça va être plus compliqué à trouver. Donc voilà, et puis bah sinon les trois là, elles sont à l'échange. De toute façon, j'ai toutes les holos à l'échange, j'ai toujours encore 5 Roagada et 4 Suicune. Donc voilà, hein.
faites votre marché, mes choup-choup, tenez-moi au courant. En tout cas, bravo à Poketuto et la récré parce qu'ils sont bien débrouillés. En 4 boosters, 2 Zolo, 1 Turbo, je pense qu'on est quand même pas mal. Hein. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve demain matin pour une vidéo courrier. Et je vous aime extrêmement fort. Gros bisous tout plein et... Pouka pouka pouka!